place sur le. C'est quand même un mec qui a quand même qui a un regard artistique sur les choses, quoi. C'est pas que c'est pas lui, il est pas là pour faire de l'argent comme d'autres, tu vois. C'est vraiment chose, c'est terminé. Capitaine comme les autres. C'est un capitaine qui est capable de faire naviguer un radeau. C'est un truc qui est complètement à part, Canal. Et c'est ça que Jean-Marie Messier n'a peut-être pas compris. De 80% durant les derniers mois. Voilà, c'est ça les maîtres du monde. Des gens qui s'en foutent et qui fonctionnent suivant le principe du plaisir et de l'égoïsme. Aujourd'hui comme à Cannes aussi longtemps qu'il faudra pour que tu reprennes
ta place que tu as créée et qui t'est due, j'espère, pour très longtemps. Merci beaucoup. Bah nous on interprète que, des questions rapides, c'est que d'assaut on a senti que les trois messieurs, ces deux acolytes, Liqua et le financier, étaient de toute façon très mal à l'aise. C'est-à-dire qu'on lançait vraiment, surtout les deux acolytes qui n'étaient pas prévenus la veille. Donc c'est genre très très mal à l'aise, très... ils étaient pas fiers quoi, ils étaient vraiment pas fiers de leur coup. On sentait même Messier, on sentait qu'ils étaient pas fiers de leur coup. Et nous, on a été quand même très agressifs auprès de Messier, que ce soit Gildas, nous, que ce soit Georges Champrin. On a été très agressifs et je pense qu'il s'en est pris en gros, entre guillemets, plein la gueule. Il ne doit pas avoir l'habitude de ça dans ses salons dorés, à mon avis. Bon, là, je suis obligé de vous laisser. Il n'empêche que Pierre Lescure n'est plus président. On réfléchit, on a plein de choses. C'est-à-dire qu'on travaille, on va travailler à travers les administrateurs, à travers les actionnaires. On va travailler pour mobiliser les gens à travers une fête qu'on fait samedi au parc André Citroën, où on va inviter plein de vedettes de cinéma, d'acteurs, de machins qui soutiennent Canal et Lescure. On va essayer de faire un gros travail. Et c'est pour ça que je suis obligé de vous quitter, parce que là, j'ai rendez-vous avec la mairie d'Avignon pour avoir le parc André Citroën. Je peux juste avoir votre nom. Gérard Cholet, c'est la chose de l'été, je suis secrétaire du CE, délégué central de CFDT. Merci.